Y'a rien à dire, ça fait toujours son petit effet. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour sur Call of Duty Black Ops 2, de retour à la maison les amis. Je me suis dit, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un petit retour sur BO2, donc me voici, me voilà. Après, je saurais pas dire quel Call of Duty a vraiment la meilleure musique d'accueil. J'hésite un petit peu quand même, parce que BO2 c'est vraiment le mythique, le classique. Mais c'est vrai que l'accueil de Black Ops 1, il tape bien aussi. MW2 bien évidemment, c'est le genre de musique quand tu les entends, c'est comme ça. Nous sommes sur PlayStation 3, le jeu est sorti depuis il y a des années, nous avons 3300 personnes en ligne et voyons voir combien de temps nous allons mettre pour trouver une partie en petite comparaison avec Modern Warfare. 3, 2, 1... Et voilà. Un jeu où il n'y a que 3300 personnes dans le monde qui jouent sur PS3 qui est sorti depuis des années, on est même plus rapide à trouver une game. Modern Warfare, c'est ça qui est horrible, à chaque fois tu mets un temps fou à trouver des games, c'est ignoble. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à BO2. Pour moi, c'est meilleur Call of Duty, en tout cas c'est celui que je préfère. Mais bon, les souvenirs ont toujours un petit peu bon dos et c'est vrai qu'à des fois tu dis ah, c'est vrai que ça pique un petit peu les yeux. Attends, j'avais l'impression de voir des gens devant, derrière, j'étais un peu paumé là. Attends, on va mettre l'insertion tactique, c'était tellement bon l'insertion tactique ça. Tellement bon. Mes souvenirs, toutes les balles passées normalement. Pourquoi? Aïe aïe aïe, attends, on va essayer de le faire quand même. Attends. Non. Pardon. Oh là 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 là, non. Ouh, attends. Ouh la vache, c'est quoi ces joueurs là? On va mettre la petite insert ici. Voilà, le premier headshot. On fonce dans le spawn. Le deuxième kill. On arrive dans le spawn, le troisième qui est mort. Le spawn qui est là, il y a personne, non il y en a au-dessus. Oh c'est moche. Regarde. Oh mon dieu, quelle horreur. Bienvenue de retour sur BO2, hey, il y a de la crapule aujourd'hui hein. Ouh, il y a de la crapule. Elles sont là. Ça va peut-être respawn. Voilà, ça va respawn dans le fond. Oh l'enfoiré. Attends, mais j'ai compris. Il faut tirer à côté pour toucher le gars. Quand je tire dessus, ça touche pas. Quand je tire à côté, ça touche. C'est quoi ce délire? Ouh, la SCAR. Eh, c'est pas la SCAR de Modern Warfare, moi, je te le dis. Allez. On va mettre la petite insert ici. Ok, je crois qu'on a essayé de me tirer dessus, mais j'ai pas aimé. Ah d'accord, mais attends, attends. Non mais arrête. Mais que quelqu'un le gifle celui. Non mais c'est pas... Oula. Commando. Wanna get paid, move it. Il est où ce con là? J'ai du mal. Ah j'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah ouais, non mais gars. Oh ça lag là, ça lag. Ah c'est le jeu là, ouais ça lag, c'est le jeu. C'est la faute du jeu. Arrête! Non! Ça lag hein, quand même! Oh fils de merde! Oh l'enfoiré! Non! Mais c'est pas vrai! Tout à l'heure il a pas aimé, il a pas supporté que je le milie les gars! Il s'est dit non! J'aurais ma revanche! Tu l'as eu! Mais à quel prix? Ta dignité! Ton honneur! Bafoué! Horrible personnage! Merde! Bon, écoute, je me suis un petit peu emporté. Attends, on va essayer de se concentrer un peu. L'autre il en peut plus là avec son. Mais d'où il tire? Attends, mais. Toi, mange ça. Il est où le... Mais il est où? Il est où? Pourquoi je parle comme ça? Il est où? Ah, il est là. Ah, c'est sale hein. C'est... Non mais attends, c'est quoi ça? Attends. Oh, c'est bon. Voilà, gamin, joue pas héros avec moi. Voilà. Ouh, merde. T-back, le gamin, il a 2 ans. Aïe. Ouh, on a gagné 2 points. Oh, c'est les meilleurs games, ça là, c'est les meilleurs games. Parce qu'en face, ils sont comme, non, on a perdu. Aïe, bande d'ordure. Ah, c'était quelque chose quand même, cette première game de retour sur BO2, c'était quelque chose. Hein? C'est là que tu te rends compte, parce que forcément t'as le facteur nostalgie qui joue tellement dans ta tête qu'à chaque fois tu dis ouais mais ce Call of à l'ancienne c'était tellement... Vraiment, BO2 pour moi c'est mon Call of préféré, mais c'est là que tu te rends compte aujourd'hui, bah ça a vieilli quand même, ça a vieilli vraiment. Les réalités des faits sont là, ça a quand même cruellement vieilli, et tu te rends compte
que le gameplay qu'on a avec Modern Warfare, même si, bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait critiquer, qui déplaisent et qu'on pourrait dire, voilà, voilà, mais le gameplay est bon quand même, le gameplay est bon, et si tu te rends compte quand il y a des vieux Call of comme ça que tu kiffes et que t'as kiffé, que tu kiffes encore aujourd'hui, mais tu dis, c'est vrai que ça a vieilli. Hein. On attend de voir un peu ce qui se passe sur le prochain Call of maintenant qui va sortir cette année par Treyarch. J'ai vu un petit bout de gameplay qui a leak, je peux pas non plus le montrer et je veux pas trop non plus m'attarder dessus parce que de toute façon, c'était une pré-alpha et il y avait pas les textures, on voyait juste un bout d'arme. Tu sais comment c'est les leaks? Genre, il y a un écran où il y a le gameplay qui joue et tu sais, le mec il pourrait rester comme ça en train de filmer avec son téléphone, tu vois. Quand il y a un leak comme ça, le mec il a un gameplay exclusif, il est comme ça. Tu vois rien, tu vois un bout d'arme qui bouge et tout, ça veut rien dire, ça veut rien dire, en plus c'est du pré-alpha, donc tu pourrais t'attarder un peu sur certains détails qui pourraient de toute façon pourraient changer, on s'en fout, ça ressemblait à rien, il n'y avait pas de texture ou quoi, t'avais une arme qui ressemblait un peu à la M16 ou quoi, mais bon, la rumeur est pour le prochain Call of, que ce soit sur la guerre froide, bon, je reparlerai vraiment un peu plus en détail quand on aura des détails qui seront intéressants, là pour le coup, bon, tu dis, ouais, il y avait un petit bout de gameplay, ah ouais, j'ai envie de voir ça, mais comme il n'y a pas de texture, il n'y a rien, voilà, c'est juste des bâtiments avec un mec qui se déplace et tu vois vraiment qu'un bout de d'écran à chaque fois, donc ça veut pas vraiment dire grand chose, mais les déplacements qui ressemblaient un petit peu aux déplacements de Modern Warfare, donc ce qui est plutôt bien justement, comme j'y reviens sur le gameplay. Oh my god. Et mon wallbang. Mon wallbang, on le voit même pas dans la killcam. Ah bah attends, tu me le rembourses celui-là. Mais il me pousse. Mais il me pousse l'effronté. Concentration les amis, nous sommes sur raid. Non. Qui m'a tué? Ah, il était là. Oh l'enfoiré! Sur Red, y'a moyen, tu sais. Hein. Ah, eh, ça me rappelle cette musique! Simone! Qui c'est qui se souvient de la musique de Simone? Qui se souvient de la musique de Simone? Simone, Simone, Simone! Tu sais ce qui va se passer? Simone, Simone, Simone! On va tous les abaouter! On espère en tout cas. Oh, ça fait longtemps, tiens, ça rappelle des petits souvenirs. À l'ancienne, on était là. Les petits délires qu'on se tapait à l'époque. On se tape toujours d'ailleurs, hein, les délires sont toujours. c'est marrant cette sensation d'arme que tu te prends des fois dans les têtes. T'as l'impression qu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et c'est très différent. Oups, merde. Il y avait un gars là. Il y avait un gars. Respire, respire. J'ai quand même l'impression que. Down. Ah, il va m'attendre. Yes! Elles ont les meilleurs goûts, ces petites balles! Elles ont les meilleurs goûts! Headshot Biatch! Oh, ça rappelle cette petite époque de BO2 avec Saxy où on faisait les road to clip, les headshot Biatch, la triple headshot, la quad. Oh, y'a que des bons moments. Que des bons moments. Tu sais, tu peux annuler l'assassin tactique, mais quand t'arrives le gars à le buter, ça vaut tout. C'est là où j'avais mis ma quad. Putain, c'était tellement bon. Ah, je me souviendrai toujours de la quoi, de la réaction, c'était... Aïe, c'était quelque chose. Ah, mais là, y'a personne, par contre. Là, c'est malédant, en fait. Et là, c'était la triple headshot. Là, c'était la triple headshot. Headshot? Triple? MP7? Oh là là! Oh, le recul absent de l'arme! C'est stabilité légendaire! Move it! C'est insane. Oh là, oh là, oh là, oh là, regarde-moi ça. Ah, ils étaient trois sur moi. Ils avaient mis les bâtons électriques pour me freiner. Ah les gars, ils sont en soif de frag. C'est quoi, j'ai envie de jouer à la mire. Allez, on va jouer à la mire un peu. Attends, il y avait un truc qui passait là des fois. Oh non, hitmarker. Non, hitmarker, arrête. Oh la mire, ça va être bon ça. Oh, ça va être bon. Mais qu'est-ce qui me pousse? Mais qu'est-ce qui me gêne lui? Aïe dommage! Aïe dommage! Aïe dommage! Ah oui, la mire au son balista! On fait plus des snipers comme ça, ça se fait plus! Des snipers comme on avait à l'époque là avec la mire, le balista, ça se fait plus des trucs comme ça, c'était à l'époque, mais aujourd'hui bah non! Mais y'a même plus la mire, rien sur le sniper d'MW, y'a même pas la mire. Mais quel. Ah, mais quelle merde! Allez, on continue cette fois-ci sur Slums et on va continuer avec le balista à la mire. Parce que franchement, bah ça fait quand même des bons petits souvenirs. Elle est chelou cette game, elle est bizarre, je sais pas ce qui se passe, mais elle est chelou. Oh la collate! Oh la collate! Ils ont pas pu être trois alignés sans blague. Allez, un petit troisième kill pour la triple fit, c'est pas grave! Oula!
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. UAV inbound. Ok, on arrive. Non. Non. Il a pas osé. Putain, t'es mort, toi. Putain, t'es mort, le chauve. Oh, ils sont tous là-haut. Oh, putain. Allez, go, go, go. On peut mettre un clip ou quoi, là? On your feet. Kill confirm. Ah, j'ai cru que j'avais une collate encore. J'ai dit wouhou. Non. Qui c'est qui... Y'a... Non, ça a tourné. Ok, ok. Y'a peut-être moyen de faire un truc, hein. Oh là là, oh là. C'était de la merde. Le mec en face, il était paumé. Mais c'est un niveau 1, mais je rêve. Non, attends. Je crois que c'est un niveau 1. Mais c'est un niveau 1, mais t'es pas sérieux. Mais pardon, mais il se ressent comme un niveau 1, le gars, en plus, hein. Oh ah, mais attends, t'imagines, le jeu, il est sorti depuis des années et des années. On est sur PS3 et il y a un gars, là, aujourd'hui, je tombe sur sa game, sa première game. Mais c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Enfin, je trouve ça incroyable. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je trouve ça incroyable. Allez. Je lâcherai pas l'affaire. Ne terminez pas la game, les gars. Non, arrête, j'étais dessus. J'étais dessus. Il y a là, niveau 2. Kill confirmed. Get moving. Oh. Non. Ah, oh, je me sens con, mais non. Pardon. Bah voilà les amis, c'est tout pour ce petit retour sur Call of Duty Black Ops 2 de retour à la maison. Ça fait du bien, voilà, ça fait plaisir. Bon, c'est vrai que tu te rends compte que plus le temps passe, bah, plus les souvenirs sont là, mais derrière, ça vieillit un petit peu quand même. Mais les sensations sont bonnes et on kiffe et du coup on s'amuse, on passe un bon moment, c'est tout ce qui compte. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon petit moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à la gameplay, la vidéo, enfin bref, tout ce que tu veux, sous la vidéo par commentaire. T'as kiffé, tu avais un plaisir, et bah c'est très simple. Maximum de pouces bleus, de like, c'est plaisir, c'est la récompense. Et également, quel Call of Duty, quel petit retour à l'ancienne aimerais-tu voir sur la chaîne prochainement? MW3, Black Ops 5, MW2, bref, faites votre choix, il n'y a pas de mauvaise réponse en dessous de la vidéo par commentaire, et si t'as kiffé, un petit pouce bleu, j'ai déjà dit, c'est pas grave, t'en mets deux, c'est bien, on peut pas, mais c'est pas grave, vas-y, essaye quand même, bref, à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, que du meilleur, que bonne chose, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye!